Quelqu'un dit un bon amen. Lève ta main vers le trône de sa grâce et répète après moi ce soir, cette nuit ou à ce moment précis. Répète cette parole là où tu te trouves. Mon Père, mon Dieu, je sais que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. C'est pourquoi ma main droite levée vers le trône de ta grâce, je déclare qu'aujourd'hui encore je serai le témoin de ta visitation. Je crois en ta puissance et en tes pouvoirs agissant au travers de tes saints et au travers de ce que tu as oint. Mon Père, mon Dieu, mon attente dans ta présence est grande. Je déclare sur ma vie que l'échec n'est pas ma portion. La mort prématurée n'est pas ma portion. La honte n'est pas ma portion. Car l'huile sainte de l'Éternel, mon Dieu, coule sur ma vie. Ma vie est bénie. Ma vie est protégée. Ma vie est favorisée à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Amen. 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 Acclame pour ta vie une fois de plus. Dieu dit dans sa parole qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour les exécuter. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Dans toute prédiction faite par un envoyé de Dieu, Dieu dit, j'accomplis ce qui est prédit. Écoute-moi très bien, j'ai entendu Dieu. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas venu ici ni comme pasteur, ni comme apôtre, ni comme enseignant, ni comme évangéliste. Je viens ce soir devant ta vie comme un envoyé de Dieu. Je suis très sérieux. Je suis très très sérieux. Il y a des mystères de la vie en ce qui concerne ta vie qui seront élucidés. Ton amen m'embête. Je dis bien, tu ne vas plus jamais chanceler. Je dis impossible. Car la puissance qu'il y a ici ce jour va t'enraciner de façon solide. Et personne ne pourra te déraciner. J'ai entendu Dieu me dire, notez bien ce que je dis. J'ai entendu Dieu me dire, notez ce que je dis. J'ai entendu Dieu me dire que la lumière soit clairement. Le Seigneur m'a parlé vers 5h30 du matin, déposant ça dans mon esprit comme une lumière moi-même. Que la lumière soit. Et il m'a demandé de venir ici maintenant sur cet autel avec ce micro, le dire sur ta vie, c'est-à-dire que la lumière soit. Écoute-moi très bien, certaines personnes d'entre vous ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient cachées à ton sujet, qui n'étaient pas encore révélées. Les gens t'ont connu partiellement, mais ils ne connaissent pas qui tu es. J'annonce sur ta vie que la lumière soit au nom suprême de Jésus. C'est pour dire qu'il n'y a aucun talent, aucun don que Dieu t'a fait qui est en toi, qui sommeille, qui ne sera révélé. Je déclare sur ta vie que la lumière soit. Afin que Dieu soit glorifié. Écoute-moi très bien. Je sais que le monde dans lequel nous vivons est dangereux et qu'il y a beaucoup de choses qui sont opérées par les puissances sataniques et mystiques et que dans nos familles, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, etc. Mais je vais te dire une chose, ils auront honte. La honte n'est pas ton partage, je dis, ils auront honte. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les mystères seront révélés.
ta vie est condamnée à connaître une floraison. Une floraison. Je dis bien ceci. La sécheresse n'a plus de place. Je dis plus de place dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ton amen ne me convient pas. Vous savez, Dieu me l'a dit et il me l'a redit encore aujourd'hui. Il y a des personnes que Dieu ouvre dans une génération pour apporter au livre de l'histoire de l'Église d'être tourné à un autre chapitre. C'est ce jar d'huile que je porte sur ma tête. C'est ce jar d'huile que Dieu m'a donné afin que l'Église bascule vers un autre positionnement. Avant, on a connu l'Église comme dans la francophonie, comme une Église pauvre et méprisable. On était là juste en train d'attendre le ciel. Mais Dieu m'a donné le mandat afin que toi, tu ne sois pas de ceux qui expérimentent le ciel au ciel, mais que le ciel se déplace sur ta vie. Que la lumière soit au nom suprême de Jésus. Afin que dans le couloir de ton appel, tu connaisses une ascension puissante et fulgurante au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Il n'y a pas de frontière à ce que la parole de Dieu est capable de faire. Allez où je parle, en Amérique, au Canada, en France, en Belgique, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée-Bissau, partout où tu écoutes le son de ma voix, un ange de l'Éternel agira en ta faveur. Ton amen m'embête. J'ai dit dans ta vie, que la lumière soit. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amen. Donne-moi le meilleur des amen. Que quelqu'un dise Christ en moi. L'espérance de la gloire. Dis-le encore. La troisième fois, quand tu le diras, tu mettras fin au règne de la malédiction, au règne de la pauvreté, au règne de Satan, parce que Christ est en toi. Dis-le encore. Que la lumière soit au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est une parole remplie de promesses pour chacun d'entre nous et que Dieu est enceinte de miracles par sa parole qu'il est sur le point de relâcher sur ta vie. Ton miracle ne ressemblera pas à celui de ton voisin. Ton miracle ne ressemblera pas à ce qui s'est fait de par le passé. Écoute-moi très bien, les gens écouteront ce qui est arrivé à ta propre vie et douteront que ce soit Dieu qui l'ait fait. Ce sera tellement impuissant qu'on se demandera comment cela est possible. Mais Dieu me demande de t'annoncer ce soir que si longtemps qu'il est le vrai Dieu, celui qui a donné à Marie d'être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit est ici cette nuit, il est ici ce jour pour te donner d'avoir une grossesse miraculeuse. Que la lumière soit dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Alléluia. Mettez Marc 6, verset 13 à 14. Regardez rapidement ce texte. Marc 6, verset 13 à 14. Regardez ce texte. Il chassait beaucoup de démons. Qu'est-ce qui est écrit? Encore à haute voix. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Verset 14, le roi Hérode entendit parler de Jésus. Ce qui va se passer ici, ce soir, il y a des gens qui sont dans l'obligation d'entendre parler de Jésus. Pas parce qu'on a prêché Jésus, mais ton témoignage sera tellement éloquent qu'on entendra parler de Jésus. Dont le nom était devenu célèbre et il dit Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il fait par lui ses miracles. C'est-à-dire, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, il y a des personnes parmi nous ici ce soir dont les témoignages rendront davantage au nom de Jésus célèbre. Ce qui t'arrivera, les marabouts ne pouvaient pas le faire, les féticheurs ne pouvaient pas le faire. Partout où Dieu est passé, ça n'a pas marché. Mais je déclare ce soir sur ta vie, qu'à cause du nom de Jésus, que la lumière soit et que la manifestation de ce miracle s'accomplisse dans ta vie maintenant.
Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Je vous ai demandé de venir cette nuit avec l'onction d'huile. Avec l'huile. Que quelqu'un lève sa bouteille d'huile, c'est là. Lève ça vers le trône de la grâce. Amen. Cette bouteille, si vous voulez bien comprendre ce qui va se passer, ça va fonctionner comme le talisman du croyant. Lève ta bouteille d'huile vers le trône de sa grâce. Si tu ne l'as pas, tu bénéficieras de quelques gouttes de ton voisin. Parce que là où l'huile va se poser ce soir, la gloire descendra. La lumière de Dieu sera forcément établie. Donne-moi le meilleur de tes amen. Dans ce texte, vous voyez, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples au oint d'huile. Baissez votre main. Baissez votre main parce que je sais que ça peut demander un peu d'énergie. On va relever tout à l'heure. Jésus a envoyé ses disciples au oint d'huile. Beaucoup de personnes pensent, « Oh oui, mais l'huile d'onction aujourd'hui, est-ce que c'est encore biblique ?» Eh bien, tout ce qui n'était pas biblique, Jésus ne l'a pas fait. Jésus a envoyé oint d'huile. Et après son départ, Jacques, dans Jacques 5, verset 14 à 15, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église ?» Et les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et la prière, si vous voulez bien, de la foi sauvera le malade. Et la prière de la foi sauvera le malade. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Tu vas partir d'ici ce soir, pas avec la guérison. Non, non, tu n'as pas compris. Tu étais malade, mais tu ne pars pas avec la guérison. Tu repars avec la santé divine. Parce que tu peux venir malade. Ton poumon ne marche pas, mais entre-temps, tes reins sont attaqués, mais tu ne sais pas. Mais j'ai dit, ce soir, tu ne pars pas avec la guérison, tu repars avec la santé divine. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. De la chevelure de la tête à la plante des pieds. Quand cette huile touchera ta tête, toutes les parties de ton corps, même, j'ai dit, jusque dans les os, il y aura un impact réel. Une destruction massive des forces ennemies pour la restauration de ta vigueur au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Donne-moi le meilleur des amen. Tu ne vieilliras pas au même rythme que les autres. Ma Bible dit que Moïse, même à 80 ans, 120 ans, il regardait encore bien. Il voyait clair. Donc, il n'y a pas de raison que tes membres s'affaiblissent après un certain âge. Quelqu'un dit, ce n'est pas ma portion. Non, ta manière de le dire m'embête, dis-lui encore. Dis-lui encore. Je suis reparti faire des examens il y a 5 jours environ. C'est 5 jours. Et j'ai le médecin, on fait tous les checks. Et il s'est rendu compte qu'au lieu de vieillir, j'ai rajeuni. Sérieusement. Il ne comprenait pas ce qui se passe. Le battement du cœur, tous les examens. C'est-à-dire, il est étonné, estomaqué de ce qu'il a vu lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe? L'huile de Dieu. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et vieillir comme les autres. Ce n'est pas ta portion, ce n'est pas ton partage. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un me donne le meilleur des amens. Cette nuit, le diable est en danger. J'ai dit, aujourd'hui, le diable est en danger. Parce que Dieu est en train de susciter par toi un spécimen unique de personnes témoignant de la grandeur et de la faveur de Dieu dans cette génération au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes, c'est ta portion. Que quelqu'un dit c'est ma portion. Que quelqu'un dit c'est ma portion. Vous voyez, on n'a pas le temps d'enseigner, mais je vous conseille de repartir sur l'enseignement sur l'huile d'onction. Je l'ai fait ici pendant 1 heure. Et plus, on est en ce moment très riche, mais je vous donne quelques bribes. Ok? Et je suis en train de prophétiser en même temps. L'huile d'onction est un signe prophétique. Et souvent aussi un support prophétique de la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand l'huile, on a prié qu'elle devienne une huile d'onction, premièrement, elle symbolise le Saint-Esprit. De deux, c'est un support prophétique de sa manifestation. Donc quand l'huile est quelque part, cela crée, cela suscite la manifestation de la puissance de Dieu. Car partout où le Saint-Esprit arrive, la puissance est manifeste. Certains n'y croient pas, hélas, mais
écoutez très bien, il y a une très grande puissance derrière. Le temps me manque pour citer des témoignages et des témoignages jusqu'aux petits-enfants sur lesquels on a mis cette huile. Et la gloire de Dieu qui est descendue. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ton amen m'embête. J'ai dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Que quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise yes. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau te sera ôté au-dessus de ton épaule. Le fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Je ne sais pas quelle est la charge que tu avais, mais maintenant les anges te déchargent. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit les anges te déchargent. Et le joug au-dessus de ton cou et la graisse fait éclater le joug. L'huile qui coule ici cette nuit va éclater le joug au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. C'est-à-dire qu'on ne verra plus jamais ce fardeau. On ne verra plus jamais ce poids, on ne verra plus jamais cette plaie, on ne verra plus jamais cette calamité, on ne verra plus jamais cette pauvreté. Tu ne parleras plus de ce témoignage dévastateur dans ta famille, parce qu'à partir de ce soir, parce que tu es ici et tu crois vraiment ce que Dieu est en train de faire, il y a quelque chose de divin qui va s'accomplir dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, je vais consacrer cette huile et nous allons continuer dans une autre phase, la prière. Donc tu vas lever ta bouteille d'huile vers le trône de la grâce de Dieu. Le trône de sa grâce. Comme ça. D'autres ont pris 5 centilitres, d'autres en ont pris 15, d'autres en ont pris des dames jambes d'huile. Amen. Qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Alors ce que vous devez comprendre par rapport à l'huile, cette huile n'est pas, on ne peut pas commercialiser l'onction. Ce n'est pas une huile à vendre. Non, elle est gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant d'autres, vous avez acheté votre bouteille en Allemagne, d'autres en Israël, d'autres chez le Mauritanien d'à côté. L'essentiel, c'est que ce soit de l'huile. Donc, ça n'a pas besoin de venir d'Israël. Non, non, ce soit de l'huile. Même si tu as pris ça chez le Mauritanien, je vais changer ça en huile céleste. Ton amen m'embête. Alors, tu vas lever la bouteille vers le trône de la grâce. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Et à ma parole, cette huile sera changée en une autre huile. Et dès cet instant, elle devient une huile dangereuse contre les puissants des ténèbres. Lève la bouteille d'huile vers le trône de la grâce et répète après moi, là où tu te trouves chez toi, lève ta bouteille d'huile et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je crois en ta puissance. C'est pourquoi, en ce jour, je lève cette bouteille d'huile au devant de ton trône. Mon Père, mon Dieu, je déclare en accord avec les paroles de ton serviteur que cette bouteille que je lève au devant de ta face devient à l'instant une huile sainte consacrée à partir de cet instant. Je m'accorde avec ton envoyé pour déclarer que partout où cette huile sera posée, le règne de Dieu se manifestera et le diable pliera bagage et s'en ira. Je déclare que partout où cette huile sera posée, cet endroit sera consacré. Et le règne de Dieu, il sera manifeste. Et alors, la lumière de Dieu sera au nom de Maintenant, lève ta bouteille vers le trône de sa grâce. Je déclare, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, agissant sur les instructions que Dieu m'a données, qu'à ce moment précis, cette bouteille que tu tiens entre ta main est changée en une arme redoutable contre les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus.
et partout où cette huile sera posée. Si c'est sur un corps, la maladie sortira. Et le règne de Dieu se rétablira. Au nom suprême de Jésus. Si c'est sur une voiture, elle est transférée comme propriété du royaume. Sur une maison, les démons ne viendront plus. Même les braqueurs ne viendront plus. Je déclare que sur une boutique, elle apporte la faveur. Et partout, Seigneur, sur un projet, cela provoque la faveur. Que cette huile déclenche l'avènement de faveur indescriptible. Au nom suprême de Jésus. Et qu'elle manifeste sur terre, par ta puissance suprême, la jouissance de nos trois alliances. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Maintenant, prends cette bouteille d'huile, ouvre-la un tout petit peu. Ouvre-la maintenant. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux même pas prétexter, venir mettre cette huile sur vous, moi-même. Mais nous entrons et nous entrons dans une phase sérieusement dangereuse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu passais et on ne te regardait pas. Parce qu'on t'avait mystiquement voilé. Tu vas mettre cette huile sur toi, il y aura embouteillage. Parce que la Bible dit, une maison qui est bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Personne ne va plus jamais cacher ta gloire. Personne. Cette huile sainte que tu tiens entre tes mains va révéler ta gloire. Tu les poseras sur tes enfants, ils seront différents des autres. Même si une épidémie frappe cette génération, ceux qui mettront son huile sur eux ne seront pas atteints. À cause de la main de Dieu qui est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Car tu la portes sur ta vie comme un acte de foi. Et Dieu répondra à ta foi. Prendons une goutte de cette huile. Juste une goutte. Et puis applique-la sur ton front. Rando shikata branda. L'acte que tu viens de poser. Je déclare sur ta vie. Effectivement, si tu es né de nouveau, je déclare sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, que ton règne par Christ sur la terre devient une évidence visible. Je déclare que les malédictions héréditaires qui ont combattu ta famille de génération en génération, à partir de maintenant, elles s'arrêtent sur ta vie. Et tu deviens la preuve dans ta famille que la sorcellerie a ses limites. Je déclare sur ta vie, écoute-moi bien, le diable te regarde et il voit la bonne et infranchissable de ses pouvoirs. C'est impossible que tu sois atteint par les manipulations diaboliques. À partir d'aujourd'hui, j'annonce qu'il y a des barrières invisibles. Celles qui avaient été dressées contre toi, elles sont terrassées et renversées. Tu ne seras plus jamais limité. Tu continueras de progresser, de progresser, de progresser et de progresser au nom suprême de Jésus. Les limitations qui avaient été imposées par la magie, par la sorcellerie sur ta vie, elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Il n'y a plus de limites qui tiennent contre toi. Au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que cette paresse chronique qui t'empêchait d'être actif, Dieu t'a parlé. Il t'a montré une vision. Mais tu n'arrives pas à te lever pour travailler. Il y a comme une lourdeur qui t'empêche d'activer. À partir de maintenant, à cause de cette huile sur ta vie, tu vas être secoué de l'intérieur et propulsé dans le travail. La grâce de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. Tu seras remarqué par tes semblables comme étant un bourreau de travail. Car la grâce de Dieu est sur toi maintenant au nom suprême de Jésus. Et j'annonce maintenant dans ton corps. Écoute-moi bien, c'est clair et net, ça prend place maintenant. Ça prend place maintenant. Et ceux qui nous suivent en direct, envoyez derrière les témoignages. Écoute-moi bien, toute maladie héréditaire, ça vient de ton père et de l'arrière-grand-père. Dans ta famille, tout le monde porte cette maladie. Et elle a commencé à avoir son emprise sur ta vie. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant.
Ça s'arrête maintenant au nom suprême de Jésus. Et je change la maladie héréditaire en bénédiction d'alliance. Dieu te donne de jouir de tout ce qui a été annoncé de sa bouche à Abraham, ton père. Toutes les maladies qui ont été dites incurables, VIH, cancer, etc. Je vous demande de déménager maintenant. Partez, 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 partez. Au nom suprême de Jésus. La folie disparaît au nom suprême de Jésus. Je parle contre ce mal. Je commande que la santé divine soit ton partage. Tout ce qui avait été planté par Satan dans ta vie est déraciné. 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 Au nom suprême de Jésus. Tu as mangé un poison mystique. Tu as mangé un poison mystique. Je vais demander à quelqu'un. Et ce sera la première fois que je demande cette instruction. Prenez une goutte d'huile. Mettez-la dans votre langue et avalez-la. Prenez cette goutte. S'il y a n'importe quoi qui a coulé dans votre bouche, s'il y a n'importe quel mal intérieur, une seule goutte, mettez-la dans votre bouche. Tout le monde, mettez une. Vous avez consacré l'extérieur, consacré l'intérieur. Je n'ai pas dit de boire toute la bouteille d'huile. J'ai dit une goutte d'huile, c'est suffisant. Et que le feu de Dieu se répande à l'intérieur. S'il y a quelque chose en toi qui vit, qui a été planté par Satan, je commande, sors! Sors! Au nom suprême de Jésus. J'envoie le feu! 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 J'ai dit à une dame ici, c'est la dernière fois. Aucun mari de nuit n'entrera chez toi. C'est terminé. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Car tu es une propriété du Seigneur. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dedans de toi. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. La manipulation diabolique, occulte et satanique sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne vivras plus jamais cela. C'est terminé. C'est terminé. Toi, cet homme qui n'arrive pas à ne pas laisser la masturbation, tu es libéré maintenant. Démon de masturbation, va-t'en, sors au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. J'ai dit, tout ce que tu as mangé mystiquement est brûlé et consumé. Les choses qui vont t'arriver vont t'épater toi-même. Je te garantis. Parce que Dieu t'introduit dans la sphère des merveilles de Dieu. Certains d'entre vous auront envie de vomir. Ne vomissez pas dans la salle. Sortez rapidement pour aller dans les toilettes. Quelque chose est en train de se passer dans ta salle, dans ta bouche, dans ta vie, dans ton ventre. Quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de restaurer. Quel que ce soit le poumon, que ce soit le cœur, que ce soit les reins, que ce soit les intestins, quelles que soient les parties internes de ton corps qui avaient été atteintes, je demande le miracle de la récréation. Que Dieu récrée les parties endommagées. Car au ciel, il y a des pièces de rechange. Que les rechanges s'opèrent dans ta vie maintenant, au nom suprême de Jésus. Tellement le meilleur des amens. Est-ce que tu crois ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que tu crois ce que Dieu est en train de faire? Une autre parole que j'ai entendue vers 15h16. J'ai entendu clairement le Seigneur me dire, traîneau aigu. Traîneau aigu. Traîneau aigu. Et j'ai conclu, me rappelant le texte d'Ésaïe, que Dieu était en train de dire qu'il suscite parmi nous certaines personnes comme des instruments redoutables entre ses mains. Je déclare donc sur ta vie, au nom suprême de Jésus, à cause de cette huile qui a été posée sur ta vie, tu reçois maintenant un souffle nouveau, une énergie nouvelle, une force surnaturelle qui te permet de courir, de courir, de courir, de courir pour les intérêts du royaume de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Et le Saint-Esprit de Dieu, qui est ici parmi nous, et par lequel je parle, communique certains dons à certains d'entre nous. Certains d'entre vous parleront de nouvelles langues. Certains reçoivent le don de guérison.
le don des miracles, le discernement des esprits. Dieu communique des grâces. Reçois-les maintenant dans ta vie. Reçois-les, car Dieu fait de toi un traîneau aigu. Un traîneau aigu. Un instrument redoutable entre ses mains. Rando shikarababo riakandarababa. Rababo rikandarababa. Nous avons appelé la lumière, qu'elle soit. Que la lumière soit. La lumière soit. Dans ma vie. Et que le règne de Satan se dissipe. Et les ténèbres dégagent. Au nom de. Au nom de. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, suivez-moi très bien. On a dit que la lumière soit. Maintenant, je vais dire que ta lumière soit. Quelqu'un n'a pas compris la différence. La lumière est arrivée dans ta vie, mais maintenant, que ta lumière soit. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Que quelqu'un dise, je suis une lumière. Encore. Encore. Le diable est en danger. Dis-le encore. Et je viens annoncer sur ta vie que même si le diable était assez diable, il ne pourra plus jamais, de par la puissance des ténèbres, avoir une invasion dans ta vie. Car ta lumière brille au nom suprême de Jésus. Maintenant, lève-toi et sois éclairé. 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 Il y aura une différence entre aujourd'hui et après. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Non, non, non. Tu n'as pas compris. Aussi longtemps que Dieu m'a appelé, aussi longtemps qu'il vit, note-le sur un agenda, note-le quelque part, il y aura une différence. Le toi jusqu'à aujourd'hui et le toi d'après. Tu connaîtras une accélération dans ta vie par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Est-ce que tu sais que tu as été divinement constitué et prédestiné à régner? Affichez-moi rapidement Romains 5, verset 17. J'ai dit constitué et divinement prédestiné au règne. Il n'y aura plus rien d'autre que ça. Le règne est ta portion. Il n'y aura plus rien d'autre que ça. Le règne est ta portion. Il n'y aura plus rien d'autre que ça. Le règne est ta portion. Regardons ce qui est écrit. À haute voix. Est-ce que la Bible est claire ou pas? Qu'est-ce que Dieu te réserve? Le règne dans la vie. Par ton diplôme? Par ton travail? Par ton argent? Mais par qui? Tu n'as pas encore bien compris. Philippiens 2, verset 10. Philippiens 2, verset 10. On dit par Jésus-Christ, lui seul. Philippiens 2, verset 10. Reviens au verset 9. Allons ensemble. Dieu lui a donné quel nom? Dieu lui a donné quel nom? Continuons au verset 10. Verset 11. Et que, allons-y. Et... Écoute-moi très bien, ce qui va t'arriver, le mal ne disparaîtra pas en secret. Parce qu'il faut qu'il confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. Alors, je parle sur ta vie en vertu des pouvoirs que le Seigneur m'a conférés. Oh mon Père, merci Jésus pour le ministère dans lequel tu m'as établi et le messager
que je suis en ton nom. Je viens maintenant au nom suprême, en ton nom suprême, Jésus, demander à tout, pour toutes les personnes qui sont représentées ici, qui suivent au loin et qui suivent même après, que la mention de ton nom mette au ridicule tous les autres noms qui avaient été suscités de par le passé pour intimider, pour maintenir les gens dans l'oppression. Que ces noms soient totalement rabaissés au nom suprême de Jésus. La pauvreté rabaissée, la maladie rabaissée, les limitations rabaissées, les portes fermées rabaissées, les malédictions rabaissées. Et le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms dans ta vie. Et que par Jésus, ton règne devienne une évidence. Je parle à tout esprit contraire qui a enrobé ta vie, l'a manipulé et a causé des limitations, de s'en aller maintenant au nom suprême de Jésus. Pas au nom suprême de Jésus. Pas au nom suprême de Jésus. Et que par la puissance de Dieu, ta délivrance devienne une évidence. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne seras plus une personne cachée. Ton amen m'embête. Tu ne seras plus une personne cachée. On ne pourra plus cacher tes œuvres. Car la main de Dieu est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Pose tes deux mains sur ta tête. Reçois la force d'en haut. 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 Au nom suprême de Jésus. Maintenant, Dieu te rend capable de faire tout ce à quoi il t'a appelé. Aucune infirmité, tant physique que mentale que spirituelle, ne subsistera. À partir de maintenant, ton incapacité est changée en capacité. Au nom suprême de Jésus. Quel que soit le nom qu'on a donné au mal qui mine ta destinée, je déclare que ce nom est sans puissance et pouvoir. Devant le nom suprême de Jésus qui vient à ta rescousse maintenant pour te sortir de ces limitations. Au nom suprême de Jésus. Ces ennemis que tu as vus pendant longtemps, tu ne les verras plus. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Enlève ta main sur ta tête juste pour te permettre de respirer un peu. Tout ce qui t'empêchait dans le couloir de ton appel de t'affirmer efficacement et qui causait des limitations chroniques dans ta vie afin que tu sois limité, que tu puisses pas faire ce à quoi Dieu t'a appelé, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, ma main levée vers le trône de sa grâce, je déclare au nom suprême de Jésus que c'est ôté. J'ai dit, je déclare que c'est ôté. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Tu vas à l'école, tu étudies, mais tu ne retiens pas. Tu lis ta Bible, mais après, c'est comme si ça s'envole. Tout ce que tu mets dans la tête, c'est comme si ça part. Il y a beaucoup de personnes concernées. Maintenant, je déclare que le trou qu'on a mis dans ta mémoire, ce trou est fermé. À partir d'aujourd'hui, tu révèles la sagesse de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ta mémoire est revivifiée. 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 Au nom suprême de Jésus. Et Dieu te donne un esprit de synthèse étonnant. Une intelligence émerveillante. Une sagesse glorieuse. C'est cela ton partage. Au nom suprême de Jésus. Quand les gens t'entendront raisonner, ils se demanderont d'où lui vient cette sagesse. Où est-ce qu'il a appris de telles choses? Et tu parleras, les gens seront assis et te regarderont avec émerveillement. À cause de la sagesse que Dieu a déposée sur ta vie. Je déclare que c'est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Écoute-moi bien. Cette huile a été posée sur ta tête. On aura donné le marché à quelqu'un. Et puis on te verra entrer. Et on dira à la personne, ramène, ramène, ramène. On va déchirer le marché. Et on va te redonner à toi le marché. Parce que la faveur que Dieu te donne est une faveur dangereuse. Une faveur spéciale qui accompagne ceux qui le craignent à la fin des temps. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur.
Reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Tu n'es pas pauvre. Ton amènement bête. Tu n'es pas pauvre. Il y a des gens dans cette assemblée. Tu as touché beaucoup d'argent. Mais tu parles de la richesse passée. Tu as encore des marchés, mais l'argent part. Tu ne réalises pas tes rêves, tu n'es pas épanoui. Le dévoreur frappe à ta porte. Je viens t'annoncer que là, ta main qui était percée, tes poches qui étaient trouées, le trou a disparu. Le trou a disparu. Les trous n'existent plus. Tu auras des réserves dans tes comptes. Tu vas épargner efficacement. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, je suis en train de voir une image des gens qui viennent à une source et qui viennent avec beaucoup de seaux. À un moment, on a l'impression que l'eau a tari. Et on se tourne, on revoit encore l'eau est remontée. Et Dieu me dit qu'il y a certaines personnes parmi nous ici à qui il donne la richesse intarissable. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. L'argent te poursuivra, te cherchera. J'ai cette grâce sur ma vie. Donc quand je parle, c'est de quoi il s'agit. Tu iras en Amérique, les dollars viendront. Tu partiras en Europe, les euros viendront. Tu reviendras en Afrique. Quel que soit l'endroit où tu es, la monnaie locale viendra. Ensuite, l'or te cherchera. Le diamant te trouvera. Le bauxite se soumettra. Les richesses de la terre reconnaissent en toi leur maître. Oh mon Dieu, c'est dangereux ce que je viens d'entendre. C'est dangereux ce que je viens d'entendre. J'entends Dieu me dire, intronise-les. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Intronisation. L'huile que tu as reçue sur ta tête est semblable à une couronne de roi ou de reine. Mon Dieu. Écoutez, tout témoignage que vous n'allez pas donner, vous allez le perdre. Vous devez donner des témoignages pour édifier les générations futures. J'ai dit, Dieu te couronne. L'argent te cherchera, l'argent te trouvera. Les contrats viendront à toi. Des choses incroyables sont sur le point de se produire dans ta vie. À cause de cette grâce qui est sur ta vie, reçois-la encore au nom suprême de Jésus. C'est terminé. Que quelqu'un dise, c'est terminé. Le règne de Satan. C'est terminé. Son empreinte dans ma vie, c'est terminé. Les cicatrices laissées par ses chaînes sont effacées. Certains d'entre nous, on n'est plus captifs. Mais il y a encore les empreintes de ton passage dans les prisons de Satan. Je déclare que même ça, c'est effacé. Je dis, c'est effacé. Tu verras une grâce particulière t'accompagner. Les gens même qui sont avec toi, qui traitent affaire avec toi, te reconnaîtront comme étant leur chef. Car tu reçois en l'instant où je parle de la part du Dieu Tout-Puissant au travers de son esprit la prééminence. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Écoutez-moi très bien. Où est le jeune homme? Jean Calvin est où? Viens rapidement, viens rapidement. Restez debout. Ne vous asseyez pas si vous avez l'énergie, vous restez debout. Restez debout. Si vous avez l'énergie, si vous voulez vous asseoir, vous asseyez. Mais vous avez l'énergie, restez debout. Et est-ce qu'il est là rapidement? Il peut venir? Est-ce qu'il est dans la salle? Viens, viens rapidement, viens rapidement. Robo shita rababo rianda rababo. Randa saka rababo. Soto rababo. Mets-toi à genoux devant l'autel. Vous savez, ce jeune homme nous a donné son témoignage. Il est allé devant les banques et puis par le monde mystique. Et puis, il a fait des rituels. Il recevait 5 millions par... C'est combien par... C'était combien? 100? 100 000 par jour. Il recevait 100 000 par jour. Quand il a été touché par la puissance de l'évangile ici, il a dit, ce donne au Seigneur. Et l'autre jour, il était en titelle dans mon bureau et je l'ai trouvé. Je lui ai dit, fais attention parce que le diable te cherche. Il veut mettre fin à tes jours. C'était exactement ce que le pasteur
Marie-Louise était en train de lui dire. Les oreilles étaient en nos mains sur lui. Son témoignage est une preuve, écoutez-moi très bien, qu'on peut avoir l'argent de façon surnaturelle. Sérieusement. Et il y a des gens parmi nous qui auront une visitation surnaturelle financière. C'est indéniable. D'une manière ou d'une autre. Un contrat signé, tu n'as pas les aptitudes, mais on te le donne. C'est clair. Il y a des personnes parmi nous qui vont vivre ça. Vous allez vous dire, tu vas vivre ça. Oh non, Seigneur de Jésus. C'est ta portion. Je hais le diable. Parce qu'il a réussi à faire croire aux enfants de Dieu qu'on a besoin d'être dans les sectes pour être riche. Je hais le diable. Je hais le diable. Et à cause de cette haine saine que j'ai contre l'ennemi, Dieu te bénira. Il te comblera. Pour que ta vie devienne une illustration de mon discours. La preuve que la parole que j'enseigne est de Dieu. Et que ça marche. Je révoque tout décret de mort sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas, Jean Calvin. Non, j'efface ce décret de mort contre toi. Au nom suprême de Jésus. De la même manière, je dis bien, tu as connecté ta vie aux autels sataniques. Tu as vécu des miracles de la part de l'enfer. Tu as tourné le dos à Satan. Les choses qui t'arriveront seront différentes des autres. Parce que tu as renoncé à 100 000 francs par jour. J'y arriverai à des moments où il te donnera 1 million par jour. Il est si grand et si puissant. Il est si grand et si puissant. Tourne ton cœur à Dieu. Tourne ton cœur à Dieu. Emprunte de façon résolue le chemin de la foi. Sois attaché à sa parole. Et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Dieu va utiliser ta vie comme un spécimen. Un témoignage puissant dans cette génération, pour détourner toutes les personnes qui sont dans le fond, sur Internet, qui sont dans les pratiques sataniques, de ces voies-là, je déclare que les desseins de Dieu pour toi ne vont pas être dérobés. Il en est ainsi au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclamons le Seigneur. Il est si grand. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis, voisine, tu ne mourras pas avant ton heure. Et dis-lui, c'est une information prophétique. Redis-le à quelqu'un d'autre. Retourne-toi vers quelqu'un d'autre et dis-le encore. Redis, même si Internet, dis-le à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Celui qui persiste à voir ta mort sera enterré. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ils sont avertis. Mais s'ils persistent, il sera enterré. Et il mourra à la même date où on a programmé ta mort. Que cela soit sa portion au nom suprême de Jésus. Retour direct à l'expéditeur. Retour direct à l'expéditeur. En cette fin d'année, à la veille de ce 12e mois, connu dans le monde occulte comme étant le mois des sacrifices, je veux maintenant élever ici quelqu'un qui a cru en Jésus et veut élever à partir d'ici quelqu'un qui est au loin. Et je dis à chaos de ta main levée vers le ciel maintenant et de ton cœur attaché à Jésus, la mort n'a pas de place. Je déclare que le Dieu que je sers restaure ta joie et te donne de goûter au bien-être de la vie. Les gens te verront rire en plein midi, rire en pleine nuit, car ta vie déborde de joie de la part de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ. Yeah! Yeah!
Par terre. De maintenant jusqu'au 10, toute personne qui franchira le seuil de cet endroit va être ivre de sa présence. Il y a des gens qui vont rire, des éclats de rire. Dieu te baptise d'une joie que tu n'as pas connue. Tu vas entrer dans la cour et tu vas tomber sous sa puissance. Le mal va disparaître. Tes invités, ceux qui viendront avec ta main, te diront, je n'ai jamais respiré une air pareille. Je n'ai jamais respiré une air pareille. À cause de la gloire de Dieu qui est dans cet endroit, allez éloigner les entrées et ramenez. Arada Sheka Tababoro Seke. Rebabo. Yes, God, I want to bless your name. Oh, Rekenye Rebobo. Yale Reko Shate Rebobo Sate. Hey, Rebobo Shatarababo. Rada Koto Robo Sekeriabo.